Dire merci au président de la République pour la nomination au poste de ministre de pasteur Ngouanémé au centre justement des retrouvailles des populations du premier siège du département du Thème. Le point avec Lolita Obono. Rassemblés à Eon, c'est au rythme des chants et danses du tiroir que les populations du premier siège du département du Thème se sont réunies pour honorer leur fils, Pasteur Ngouanémé, ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste. L'événement qui a rassemblé un grand nombre a donné l'occasion aux populations de réaffirmer leur engagement à rester mobilisées derrière le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour l'émergence du Gabon à l'horizon 2025. Les populations ont par la même occasion salué la mise en œuvre du pacte social à travers plusieurs réalisations dans le but de lutter contre la pauvreté, la précarité et les inégalités sociales et bien d'autres, mesurant ainsi les efforts consentis par le gouvernement. Les mêmes populations ont félicité le gouvernement pour l'instauration de la prime d'incitation à la performance, la gratuité des soins dans les hôpitaux et bien d'autres, bien que de nombreuses attentes demeurent, surtout en ce qui concerne les projets spécifiques à la province du Wellington. Le ministre de la Communication, Pasteur Ngouanémé, qui s'est voulu rassurant, a demandé aux populations de rester mobilisées derrière le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Les populations ont pris rendez-vous à Bitam pour accueillir le premier ministre Daniel Onondo dans le cadre de sa tournée républicaine.